Eh bien salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars, aujourd'hui nous sommes de retour en police nationale avec une brigade un petit peu particulière que je vous ai fait il y a de ça, il me semble, 2-3 semaines ou voire un mois en police nationale. Et je suis de retour en brigade motorisée police nationale. Qu'est-ce qu'il fait lui? Allez, on circule monsieur, circulez. Donc là les gars, avant de commencer la vidéo, je vais me poser sur le petit parking car j'ai un nouveau plugin et je vais tout simplement prendre un collègue motard avec moi. Donc hop, on se met là. Mais surtout les gars, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de venir sur tous mes réseaux sociaux. Quand je dis tous mes réseaux sociaux, c'est vraiment tous: Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. Et aux 10 000 abonnés sur Instagram, c'est un concours, l'objet de votre choix à gagner sur ma boutique Drixiz. Donc on est 9200 à peu près. Je compte sur vous pour exploser le nombre de likes, le nombre de commentaires et mes abonnés sur Instagram. Ça fait 3 choses. Je compte sur vous, on est suffisamment nombreux pour le faire. Aussi les gars, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip. Allez sur le premier lien en description pour découvrir en quoi ça consiste tout simplement. Et du coup on va arrêter de discuter pendant 500 ans. On va tout de suite découvrir Guard Command. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un plugin qui me permet d'avoir un collègue avec moi ou dans un autre véhicule qui me suit. Donc là vous avez bien compris qu'on va le paramétrer et eh bien tout simplement pour qu'il soit de manière à... Oula, attendez, je suis en train de m'embrouiller. Qu'il soit de manière à avoir un collègue sur une autre moto. Du coup il me semble que c'est ici Unit. On met 1, hop là, donc on foot, policeb, parfait. Donc armé, on va lui mettre un pistolet tout simplement. Donc alors, attendez, il faut que je le trouve hein, du coup. Alors, ah il a que ça, que ça comme arme. Bah heavy pistol, c'est quoi heavy pistol? Nightstick, on va lui donner un nightstick en deuxième arme. Ok, du coup je vais appeler eh bien le collègue. Hop, du coup j'ai appelé un collègue. Je sais pas s'il aura la bonne tenue. Donc je sais pas du tout où il est. Il est là-bas. Donc le temps qu'il arrive sur notre position, ça peut prendre un certain temps. Donc là il va vraiment faire tout le tour de la map. Donc ce qu'on va essayer de faire les gars, c'est de le rattraper tout simplement en moto. Et j'ai oublié de programmer mon gyro. Hop là, là c'est bien. Du coup voilà, petit véhicule par François G hein. Vous connaissez la moto. La tenue, non, qu'est-ce que je dis, c'est de Aurel la moto, la tenue aussi il me semble, ou c'est Lucas la moto, non la tenue, oula je suis en train de m'embrouiller dans ce que je dis. Ok, du coup le collègue il devrait être ici. Ok parfait, donc mon collègue il est là les gars. Alors du coup le petit camarade il est là, on va le suivre hein, tout simplement. Puis on va aller, je pense qu'il est en train de se rendre au parking. Donc regardez, ça nous permet d'être deux patrouilles de motards tout simplement. Donc hop, on va se retrouver au parking. Et je peux, si je veux, eh bien, lui demander d'activer son gyro et sa sirène. Donc tout simplement, regardez, c'est génial. Allez, on va tous les deux sur le parking. Voilà, parfait. Donc moi je vais lui demander par contre de couper sa sirène. Ok, du coup là je vais voir avec le petit camarade pour qu'il descende eh bien de sa moto hein. Allez, descends de ta moto. Hey collègue, salut, ça va? Eh ben aujourd'hui on va patrouiller tous les deux, donc c'est parti, remonte dans ton bolide et on va prendre les interventions qui tombent. Donc en soi, lui il peut pas faire énormément de choses, juste il peut me suivre et rajouter un petit peu de réalisme à la vidéo. Car à part me défendre en cas d'attaque, il ne va rien faire. Sur les interventions, je ne peux pas lui demander de fouiller qui que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Donc là, je vais lui dire de me suivre tout simplement. Hop. Donc, follow player. Ok, donc maintenant, il va me suivre. Et alors, attendez, parce que là, j'ai une course en cours. Ok, par contre, s'il ne me suit pas, eh ben, ce sera très dommage, car il va louper les interventions. Et pourquoi il vient pas? Alors attendez, on va essayer de régler ça rapidement les gars, parce que j'ai accepté une intervention. Donc on va essayer de faire ça bien bien bien. Hop. Driving still, fast and furious, non. Allez. Ok parfait, là il va me suivre. Ok, là il arrive. Du coup je vais lui dire à lui eh bien d'activer son gyro. Ok nickel. Donc hop, et là moi je mets mon gyro, puis on part sur 1,73 km.
Hop, et là, donc il va me rattraper dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. J'espère juste qu'il va pas avoir d'accident. Attention. Allez, on s'écarte, on s'écarte. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok, le camarade, il est là-bas, hein. Il va se dépêcher. Du coup, on part sur le quartier de Davis, les gars. Donc, tout simplement, une course de véhicules. Donc, on va essayer d'interpeller ça. Puis après, on va sûrement essayer d'aller sur l'autoroute. Attention. Ok, le collègue motard, il devrait pas tarder à arriver, hein. Il suit, hein. Au pire, il arrivera un petit peu en retard sur l'intervention. Ok, très bien. Donc là, j'arrive au niveau de la zone où les deux véhicules me sont signalés. Donc je pense que deux véhicules qui font la course dans Davis, hein, c'est pas très très compliqué à repérer. Ok, là j'ai vu un véhicule passer à toute allure sur la droite. Là, sur la droite, là j'ai vu un véhicule passer relativement rapidement. Ok, donc un SUV silver, couleur silver. Ok. Je retourne. Je suis dans la zone là, hein. Donc ils avancent sûrement sur l'axe principal, hein. Ok, d'accord, je pense que c'est lui. C'est sûrement lui, les gars, là. Ici j'ai un véhicule qui roule mais n'importe comment. Ok, très bien. Ok, j'ai un suspect qui part en courant. Weapon, je vais prendre un stun gun. C'est un taser tout simplement. Ok, pistolet paralysant. Ok, parfait. Ok, oh les gars, j'ai déjà... Ils sortent des armes, ça sort des armes. Ok, je demande tout de suite un code 3 des patrouilles. Donc là, je suis dans une fusillade. Hey, collègue. J'ai pas l'impression que le collègue il réagisse là. Je vais dire de descendre de son véhicule. Allez, descends ton véhicule. Ils sont où là? Ils sont où les tireurs? Ok, parfait, nickel, il me protège maintenant. Allez, hey, au sol. Allez au sol immédiatement. Mettez-vous au sol tout de suite là. Couchez-vous tout de suite, j'ai dit police. Ok, il me protège pendant que je procède à l'interpellation. Ok, là-bas il y en a un dernier qui me tire dessus, par contre ça va pas le faire. Ok, parfait. Hop là. Remonte sur ta moto s'il te plaît. Remonte sur ta moto. Et coupe. Ah, c'est laquelle de moto qui a un deux tons activé? Alors attendez. J'ai bien l'impression que sa moto. Ah bah, il y a peut-être un problème avec sa moto du coup à lui, hein. Bon, par contre, j'ai une autre course poursuite qui vient d'être lancée, les gars. Donc là, le collègue, lui, je vais lui demander de remonter sur sa moto. Et j'ai une autre course poursuite. Je vais laisser les collègues ici travailler. Ok, donc là sur le parking, on vient de me signaler quelque chose. On vient de me signaler quelque chose sur le parking. Donc qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. C'est là, là, ici. Ok, ok, très bien. Ça part en courant. Ça part en courant. Allez, arrêtez-vous. Ok. Allez, relevez-vous. Oula, attention les gars. Elle est speedy à faire un crash. Ok, l'SPD a fait un crash. Bon bah, allez-y, circulez monsieur. Ok, bon. Très bien. Bon, je vais faire une petite ellipse et on va se retrouver tout de suite. Ok les gars, du coup on est de retour. Donc là j'ai redemandé un partenaire. Du coup il est là, il est en train d'arriver tout simplement. Oh là, ne percute pas madame s'il te plaît. Fais gaffe aux mamies là. Ok. Salut camarade, ça va? Ok, du coup on est de nouveau en patrouille les gars, il y a mon collègue ici. Je vais lui demander de me suivre, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Allez, on y va, tu viens? Ok, bah ça, j'ai pas l'impression que ça marche.
Ouais, non, on va faire un truc, c'est que je vais dire escort my vehicle. Hop là, parfait. Du coup, hop là, donc là c'est des points jaunes des interventions de tout à l'heure. Donc là on est disponible et bien sur le secteur pour une nouvelle intervention. Donc malheureusement, j'ai pas pu interpeller l'individu sur le parking tout simplement parce que, eh bien j'étais, il y a eu un petit crash de LSPD-FR. Donc là avec le camarade, on va tout simplement aller au niveau de l'autoroute. Donc c'est la bonne route, c'est par ici. C'est à gauche là-bas. Puis on va se poster sur l'autoroute hein, et on va attendre de voir ce qu'on peut faire et s'il y a des choses intéressantes. Hop là, allez, viens la camarade. Il fait quoi? Oh là, j'ai bien cru qu'il allait se manger un véhicule. Ok, bon bah c'est parti. Nous on va patrouiller sur l'autoroute. Tranquillement, il n'y a pas trop de monde. Je pourrais même demander plein de collègues, hein. Et je sais pas ce que ça fait d'ailleurs si je demande 8 collègues. Est-ce qu'ils arrivent sur 8 motos différentes? J'en ai aucune idée. Ce serait sympathique à tester ça. Hot pursuit of a car. Oh là là les gars, ça c'est... Ok, nickel, ça c'est pour nous. Une course poursuite. Ça c'est pour nous, ça. Une course poursuite d'une voiture. On va essayer de se dépêcher. Ok, c'est un véhicule super rapide. J'ai l'impression qu'il est super rapide ce véhicule. Mais comment ça ma moto, elle est pas aussi rapide là? Le véhicule il va aussi vite que ma moto. Ok, là on se dépêche, là le collègue. Le collègue, je sais pas pourquoi il va pas très vite. Qu'est-ce que je peux lui demander comme ordre? Rappel from Ellie. Park, ok. Family. Ok, bon, par contre là en mode de conduite. Je lui ai dit Fast and Furious, comme ça il va essayer de se dépêcher. Donc là je continue sur la route, histoire de chercher le véhicule. J'ai pas plus d'infos par contre. Ok, donc le véhicule il est là-bas, je le vois sur la route, hein, il est marqué en noir. Hey, il fait quoi là mon collègue? Ok, faut que j'essaie de le rattraper le véhicule. Eh les gars, par contre, je sais pas c'est quoi comme bagnole, mais il bombarde de ouf. Ok, il a fait demi-tour à la station-service. Il fait demi-tour à la station-service. On va passer juste à côté de lui. Il est là, il est là, il est à gauche. Allez, attention, écartez-vous là, écartez-vous. Ok, le véhicule est là-bas, le véhicule est là-bas. Le collègue est là, là, le collègue passe de l'autre côté. Il est là-bas, le véhicule. Ce serait pas la moto là par hasard? Ok, il a refait demi-tour. Ok, c'est le véhicule rouge là-bas, c'est le véhicule rouge. Il passe où là? Ok, il a continué tout droit. Il est où le collègue? Il est où le collègue? Ok, il refait demi-tour le collègue. Ah mais ouais, mais lui il a rien compris. Ok, je me dépêche. C'est pas lui, c'est un véhicule rouge, il est là-bas le véhicule. Il me semble que c'est lui. Faut pas que j'arrive à le perdre. Poursuite, je demande ça. Ainsi qu'un hélicoptère. Local Air Support Units. Ok, très bien. Ok, nickel. On a une patrouille de gendarmerie qui vient de se poster et de le reprendre. Ok, c'est pas la gendarmerie, c'est la police. Ah oui, je pensais que c'était la... Oh, pourquoi c'est un de ton sapeur-pompier? Oh là, mon collègue motard, il est méga loin, je sais pas ce qu'il... Oh, punaise! Je sais pas ce qu'il fait. Oh les gars, j'ai eu super chaud. Ah. Ok, bah il y a eu un petit freeze, je suis désolé. Oula! La police municipale qui se fout au tas. Ok, on a l'hélicoptère qui est présent. Il est où l'hélico? Il doit être juste au-dessus. Ok, il va être juste au-dessus du véhicule. Là, je peux pas le voir, hein. Ok. Ah bah non, il a pas du tout quitté l'autoroute, il est là. Ils viennent de dire que le véhicule a quitté l'autoroute, mais absolument pas, je suis encore derrière lui. Mon collègue, je n'ai absolument aucune idée de où il se trouve, hein, avec sa moto. J'entends même pas son de ton. Ok, le véhicule est ici, le véhicule est ici. On va essayer de faire un truc, c'est hop là. Ok. On va essayer de faire un petit plate check. Oh les gars, il vient de se toller, il vient de se toller. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, sortez du véhicule tout de suite, police. Allez. Mettez les mains en évidence et couchez-vous. Mettez les mains en évidence et couchez-vous. On a un collègue qui vient d'arriver. Ok, parfait. Eh ben, contre le mien de collègue, les gars, je l'ai perdu. Hein. Je sais pas du tout par où il a pu passer. Je vais couper mon doton. On va faire un truc, c'est un stop traffic dans la zone.
Ok, je coupe mon doton. Ok, parfait. J'ai fait un petit stop trafic. Alors, attendez, j'essaye de repérer le camarade. Oh là 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 là, il est tout loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge hein, pourtant. Ouais, il est en train d'arriver. Ok, du coup, on va attendre qu'il arrive. Ok, du coup, monsieur. Ok, j'ai une nouvelle intervention de ouf, les gars. J'ai une intervention de ouf. Ok, parfait. Hop, je viens de prendre l'intervention normalement. Ok, je le laisse s'occuper du suspect. Alors, attendez. Je vais attendre qu'il finisse sa palpation. Allez, allez, finis ta palpation. Hop, du coup, police transport, tu me l'embarques, s'il te plaît. Moi, je vais m'occuper de ma nouvelle inter. Ok, très bien. J'ai une nouvelle intervention, les gars, qui est super grave. C'est un véhicule qui serait passé à côté d'un lieu-dit et qui aurait tiré des balles de... En gros, c'est ça. Drive-by, c'est drive-by shooting, c'est ça. Hop là. Du coup, la zone de circulation va être remise. Ah, punaise, mais le véhicule, il était sur ma position, en fait. Il est où, le véhicule? Est-ce que je peux avoir des infos sur le véhicule, la description? Ok, d'accord. Normalement, il serait ici. Il est là, il est là. C'est ce véhicule-là. Ok, j'ai le véhicule. Il me fait un refus d'obtempérer. Je demande tout de suite un local air support. C'est parti. Donc, le collègue, il est pas prêt de nous rattraper, étant donné que le véhicule se barre par là-bas. Hein. Allez. Il est où le véhicule de collègue là? Oula! La map elle a. Oula! Pourquoi ça me met un chargement long comme ça, les gars? C'est la première fois que ça me fait ça? Il est où le collègue? Ok, il est juste derrière, c'est pas très très long, il est sur la bretelle. Ok. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Est-ce que je peux essayer de le taser? Ok, j'ai plus mon stun gun du coup, hein. Faut que je fasse un petit weapon. Stun gun. Ok, donc. Voilà! Voilà! Ça c'est chaud. Pistolet paralysant. Ce que je vais faire, c'est essayer de voir si ça pète un carreau. Est-ce que ça pète un carreau le stun gun? Alors je vais me mettre à côté de lui. Ok, donc je pense qu'il réagit pas du tout, il s'en branle. Ok, j'ai le collègue qui est juste derrière. Percute, mais et un accident là. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Ok, on a le collègue qui est juste derrière. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Ça sert à rien ce que vous faites, ça sert à rien ce que vous faites. Ça ne sert à rien. Ok, il me percute, il a tenté de me percuter. On va du coup demander... oh là, qu'est-ce qu'il nous fait? On va demander des hers, les gars, je demande des hers tout simplement. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Oh merde, oh je suis passé, j'ai failli passer dans les hers. J'y suis pas passé, j'ai de la chance. Ok, parfait. Le véhicule il va pas tarder à s'arrêter. Le véhicule ne va pas tarder à s'arrêter. C'était la brigade cynophile de la gendarmerie nationale qui est intervenue. Ok. Allez, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ça sert plus à rien. Attention, le collègue il va shooter mon camarade. Non, c'est bon. Arrêtez-vous. Allez, faut qu'il s'arrête. Allez, arrêtez-vous là. Il y a un hélicoptère sur la poursuite. Faut qu'on essaye de le bloquer, les gars, là. Faut qu'on essaye de le bloquer. Ok, parfait. Oh, punaise. Ok, ça tire, ça tire. Merde, c'est le collègue, c'est le collègue. Ok. Ok, parfait. Est-ce qu'on a d'autres individus dans le véhicule? Ok, personne d'autre dans le véhicule. Les deux conducteurs ont été abattus. Je répète, les deux conducteurs ont été abattus. Hop, toi, tu peux couper ta sirène. Ah ben, c'est qui a son doton là? Oh, attendez. Oula, je vais faire un stop trafic tout de suite. Ok, parfait. Hop, je vais lui dire un truc, lui, c'est d'aller un petit peu plus loin. Tiens, tu vas aller par là-bas. Hop, tu vas aller là-bas. Pour tout simplement prévenir les usagers de la route de faire attention. Bon, c'est parti. Hop, et là. Allez, comme ça, il nous casse pas la tête avec son doton, lui. Allez, c'est parti, rapide, là, s'il te plaît. Hop, je demande tout de suite, les gars, moi, les sapeurs-pompiers. Ambulance, assistance
Allez, rapide, rapide là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Entre les pompiers et le camarade, je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Il est pas très fut-fut lui quand même. Et le camion là, c'est le camion qui bloque tout là. Allez. Ouais bah les pompiers ils se prennent pas la tête hein. Ils sont dans les bouchons. Du coup ils y vont à pied. Salut les gars. Hop. Moi je fais j'appelle une dépanneuse pour ce véhicule là hein. Salut les gars, donc une fusillade sur la route hein. Ils sont descendus du véhicule, ils ont tiré dessus, c'est très clair comme ça. Ok parfait. Il y a le VSAV là-bas, VSAV 177 en rotatif hein. Donc lui il recule petit à petit dans la forêt, il n'y a aucun problème hein. Oh, ok très bien. On y va les gars pour une interpellation. Donc lui il va continuer de m'escorter. Escort my véhicule, c'est parti, on y va. Allez rapide. Est-ce qu'il suit pas, je n'en ai aucune idée. Ok du coup les gars on part les gars là pour une intervention très dangereuse. Ok je peux pas me permettre de passer au milieu. Sinon je serais bien passé au milieu avec ma moto hein. Ici ça le fait. Là il y en a un endroit un petit peu plus calme. Ok nickel. Allez allez viens 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 viens. Est-ce qu'il va passer lui aussi ou est-ce qu'il va attendre de faire tout le tour? Non lui il fait tout le tour. Ah bah lui il a trop de temps lui de toute manière hein. C'est un fonctionnaire, il fait ce qu'il veut. Ok du coup nickel, hop petit phare. On va se dépêcher là rapide rapide pour essayer d'aider au mieux le collègue. Oula mon gyro il est pété par contre. Je pense, ah non bah non. Oh non il va bien mon gyro. Donc c'est où cette intervention là, cette interpellation? Ok c'est dans la ferme. C'est dans la ferme, on va y aller là. Hop là. Je pense qu'on va en assistance à des collègues. Je pense très clairement que c'est ça. Alors, attendez. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait déjà la gendarmerie sur place. Oh là, pourquoi il y a des individus armés là qui sont là, là. J'ai très très peur. Je vous le cache pas que j'ai très très peur. Là, il y a des hommes armés qui viennent de passer là-bas. Je vais essayer de les contrôler. Je vais tout de suite appeler deux patrouilles. Hey, on bouge plus. On bouge plus. Mettez les mains en l'air. Ok, il y a elle qui me regarde là. Ok, elle vient de lâcher son arme pour prendre en photo tout simplement. Ok. Ils sont où les gendarmes? Madame, venez là. Ok, arrest. Ok, je l'interpelle. Il y en a un autre qui est monté dans la montagne. Oh, le camarade qui passe avec sa moto par là-bas. Ok, du coup, c'était qui que je devais interpeller au final? Parce que je viens pour une interpellation difficile, je vois qu'il n'y a aucun collègue. Il passe par où, lui? Ah ouais, il n'en est que là, bon. Avant qu'il arrive, il y en a un petit bout de temps. Ok, donc là, je viens de ramasser, du coup, l'arme de madame. Lui, il avait un pompe. Ok, police transport. Je me prends pas la tête les gars, hein. Pas de palpation là, j'évacue, ils vont régler eux-mêmes les palpations. Ok, nickel, je vais essayer de faire une petite reconnaissance du coup, hop là avec mon pompe hein, finalement, on va pas prendre le petit pistolet. Parce que ici il y a une personne à interpeller, je pense que c'est là. Y, qu'est-ce que j'ai un menu? Non, je n'ai pas de menu ici. Là. Non plus. Hop. Ok, donc je ne sais pas. Oula. Oula là là là, les gars, regardez ce qu'on a. C'est quoi cette belle plantation de cannabis? Ah bah, on a trouvé un bon client. Là, on a trouvé un bon client hein. Et je savais même pas que cette ferme existait, les gars. Donc dites-moi en commentaire si elle existe depuis toujours ou si je viens juste de la découvrir hein. Car maintenant, ça fait donc deux fermes de cannabis que j'ai découvert. C'est tout simplement génial. Ici c'est quoi? C'est une usine où il... C'est un laboratoire? D'accord, ok, donc c'est un laboratoire ici. Ok, d'accord, très très bien, super intéressant. Ok. Bon bah du coup les gars, pour nous ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Drixiz et ciao, bye bye.